Starch Deployment. Oh yeah. Style. Alors, chers amis. Contrôle 1. Oui, let's get ready for fishing. Contrôle 2, hein, forcerie. Général, il est où? Derrière? C'est parfait. Pourquoi tu rigoles? J'ai dit un truc drôle. Toi, tu vas là-bas. Et on commence la joyeuse bataille. Allez, fonce! On n'arrive pas encore à voir ce qui se passe. Voilà, on a lancé nos cavaliers warg qui vont commencer par flécher et après par attaquer, hein, c'est leur petit avantage à eux. Ce sont d'excellents archers, ils balancent des javelots, des pylônes si vous voulez. Notre infanterie lourde qui est lancée. Ignore. Alors fonce-moi ça là-dedans. On lance là-dedans. Par contre, vous là-bas, vous allez complètement ignorer ce qu'il y a par ici. Vous allez complètement tirer là-dessus. Alors ils tirent de loin avec une excellente efficacité. Hein. Vous voyez déjà les. Ils ont mis 6% dans les dents. Allez, c'est parti, on est en train de leur balancer des pylons, mais alors pas possible. On leur balance tout ce qu'on a. Pour les fragiliser au maximum. Et une fois que ce sera bon, on ira gentiment les leur foncer dans le lard. Allez, cours. De votre côté, vous, ça va, ça tient? C'est bien tendu quand même. Hein. 75, les petits salauds. Hein. Allez. Ah, ils vont nous avoir à l'usure. Hein. Ils le savent. Hein. Faudra constituer une armée en urgence, mais on va se faire percer le front. Et voilà. Bim. On vient de se faire les archers de Nodin. Ils ont perdu la moitié de leurs effectifs. Et maintenant, ils sont pratiquement complètement secoués. Quoi, ils n'en peuvent plus. Hop, c'est bon. On fonce dans le tas. Ah bah c'est parti, on va faire un gros all-in. Allez, on fonce. Il faut exterminer cette troupe. Ah les salauds, ils veulent essayer de prendre la ville au chronomètre. Vous voyez comme l'IA est devenue maligne. Voilà, ils ont corrigé tous les défauts de Divine de Sandwich Star Wars Vanilla. En faisant de cette IA une IA maligne. Ouh, ils ont de sacrées lances, hein. Elle est plus bête du tout. Ouais, secouée. Ah, elle reculait. Je pensais qu'elle voulait prendre la ville au chronomètre. Là, ça aurait été une grande preuve d'intelligence de sa part. Mais non, faut pas rêver. Tu es de la cavalerie. Ton objectif à toi est de charger. C'est ton seul talent, ma poule. Allez, on charge. Non mais chargez-les. Voilà. Eh ben parfait. On va mettre fin. On va continuer la bataille jusqu'à ce qu'on les élimine entièrement. On les élimine intégralement cette fois-ci. Hein. Voilà, y compris leur général. La capitaine Maitor. Allez savoir comment prononcer ça. Météor. Non, ça c'est la bière ça. Mais capturez-les, bande de nidbeux là. Voilà, parfait. On a capturé un maximum. Pirelli, non, arrêtez de faire de la pub pour les marques de pneus. Obscur Pimpin des Bois. Merci, allez, c'est bien. Allez, il ne reste plus qu'un seul nid de bœuf là, capturez-moi ça. Voilà, super. Bon, alors, je sais c'est un peu loin, mais allez-y quand même. Avec mon magnifique cavalier warg. Allez me chercher ces obscurs nids de bœufs là.
Bon, vous là-bas, allez en ville, hein, allez boire une bière, j'ai pas fait quelque chose. Lustrez vos armures, que sais-je. Foncez-moi là-bas, zou. Je peux vous voir, même le général. Fiche le camp. Allez, psst. Et pendant cela, le magnifique chevauché sauvage. Voilà, en direction de Brandback Mountain. Oh bah il va sortir de la map, on n'aura pas le temps de l'attraper par le col. Attends-nous, on va essayer de te tuer. Oh mais attends-nous, on va juste te trucider. On va te bouffer aussi, oh, c'est ça, bon. On commencera par tes jambes, on n'a pas besoin pour te transporter. Oh, c'est superbe. Pour une petite photo, ça mérite. Ah, je prends des photos, voilà. Ah, photos de vacances. Ah, on les a en visuel. Elles sont plus beaucoup, ils sont 5, mais ils sont anéantis entièrement leurs armées. On pourra exiger une rançon considérable. S'ils acceptent de payer. Il y a de fortes chances qu'ils acceptent. Ça nous fera des sous, on pourra se payer de nouvelles armées. Ce tour-ci même, je crois qu'on n'aura pas le choix. Ce tour-ci même, il nous faut de nouvelles armées. Hein. Parce qu'il nous faudra environ 3 tours pour faire en sorte que ces armées servent à quelque chose. Heureusement, je pense que voir une grosse armée débarquer chez eux, ça va leur faire peur. Donc ils vont très certainement vouloir l'attaquer. C'est peut-être l'occasion pour nous de négocier une paix avec les Dundins, mais ça ne durera pas longtemps. Et voilà, ça y est. Ah ben, comme tu viens de le dire, objectif complete. On vient d'anéantir les derniers pimpins qui traînaient. Allez, formidable, allez, on se casse maintenant, on s'en va, hein, autre chose à faire. On va écrire notre article, on va publier dans Langmar News. Voilà, 98 pimpins de mort seulement. C'est déjà beaucoup, hein, par rapport à l'armée qu'on avait de base, on a perdu la moitié des effectifs. Captain Mator a tout perdu. Au moins c'est clair. Oh, cette capture d'écran. Bataille pour la terre du milieu. J'en ferai un de ces quatre. Un excellent jeu. J'ai encore le DVD. Le DVD-ROM. Fonce. Alors, prisonnier capturé, rançonné. Ils acceptent. Mais on va s'enrichir. Ah ouais, mais ils vont s'ajouter à d'autres pimpins qui vont débarquer avec eux. On va pas être bien le tour prochain avec tous les pimpins qui vont s'ajouter. Ah, ils vont être nombreux, il y aura pas à dire. Hein. Mais bon, le fait qu'on accepte de rançonner ou qu'on n'accepte pas, qu'on attaque ou quoi que ce soit, ça influe sur le comportement des IA envers nous. S'ils voient qu'on est magnanime, ils nous prendront pour quelqu'un de plutôt sympathique. Mission fail. Bah attendez, j'ai même pas eu le temps d'aller voir. Hein. Ma réputation a baissé parce que j'ai pas accepté de partir en croisade alors que je l'avais demandé. C'est pas grave, tant qu'on n'est pas à zéro, on sera pas excommunié. Marquez, on peut se ranger en tant que faction du bien pour nous sauver la mine, ça peut être une solution. Enfin, je crois qu'il est un petit peu tard maintenant pour faire des bisous aux gens, leur faire « Oh, on vous aime en fait !» Il me semble qu'il est un petit peu tard pour ça, mais on peut toujours se prêter à rêver. Hein. Allez, va, Tiline, toi. On a besoin de toi. Je te veux dans mon équipe. Alors, on va recruter ça. On sera mignon. Ça. On va voir. Oh, bah c'est nul. On va éviter. Ça, c'est nul, mais c'est nombreux. Non, c'est même pas nombreux. Des archers qui sont... Attaque de mêlée, attaque de missile. Ouais, ils sont moyens, quoi. Raiders, Kimisher. Ouais, enfin bon, ils sont déjà meilleurs archers qu'autre... Que d'autres pimpins d'archers qu'on a pu croiser. Purement, on peut les réparer sur place. Bon, bah, c'est une armée comme ça. Ça suffira certainement pas. Mais c'est un bon début. Ah, quelle douleur. On va morfler. On va avoir très très mal. Oui, let's get ready for feasting, tout ce que tu veux. Et plus encore, si affinité. Ah, ça va être très douloureux tout ça. Ça va être très douloureux. On a quand même 800 sous-sous. Ah, 800 sous-sous, on peut faire quelque chose avec ça. C'est quoi ça? Des hommes des collines. C'est nul.
Ah, ben oui, c'est à Cardoum. Heureusement qu'on peut recruter des choses sympathiques. On va mettre des cavaliers un peu partout. Hop là. C'est super utile. C'est rapide, efficace, pas cher. Franchement, c'est pratique. Ils sont combien de bases? 38. On te voit leur stat? Défense à 7. Ah, c'est pour ça que ça tient, aussi, que ça tient aussi bien. Le coût de recrutement des unités est vachement excessif hein, pour Langmar. Hein. C'est ce qui fait que c'est pratiquement intenable. Dans 2 tours, on pourrait espérer faire des choses sales ici. Bien. Notre diplomate. Il va négocier sans froisser les gens, il va être mignon. Bonjour. Traité commercial. Il accepte, mais ça l'embête. Oui, au revoir. Je vous suggère ceci. Au revoir. Bien, on a réussi à négocier quelque chose d'intéressant. On va passer par là maintenant. On va essayer de négocier quelque chose avec les elfes de la Lothlorien. S'ils veulent bien. Bon bah ici on va désespérément partir à la recherche de Spock. Pardon. Je crois qu'ils habitent par là, je crois qu'ils ont une ville par là. Des hommes de runes. On a combien de temps pour remplir la mission? Voilà, vas-y, on s'est foutu 4 tours. Oh bah dis donc. Ça peut gonfler tout ça. Il faudrait qu'il y ait un général qui décide de devenir un peu psychopathe sur les bords. Alors c'est ici. Join the invasion. On pourrait rejoindre l'invasion. Hop, cette armée rejoint l'invasion. Et normalement on devrait pouvoir recruter des unités supplémentaires, non? Non, c'est un naufrais encore? C'est scandaleux. Ouais, ça reste un naufrais. Abandonner l'invasion, voilà, on a une armée d'invasion, c'est formidable. Bon, au moins on rejoint l'invasion, notre seigneur sera content. Même si dans les faits, hors de question qu'on la rejoigne. Hein. On n'est pas suicidaire non plus, faut arrêter. Là ça tient. Leurs armées, ça y est, vont pénétrer leur territoire, ça va être très très bien. On va être content. On n'en profitera pas beaucoup, mais ça nous laissera juste assez de temps pour pouvoir s'en remettre. Ici, la construction, encore 5 tours. Hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est lent. Mais après on va respirer, hein. 800 d'or dans les caisses chaque tour. Hein. Fou. Ça va nous permettre de respirer un grand coup. Effet Airwaves. Allez, tour 42. Et on va encore se faire attaquer, hein, évidemment, ce serait pas drôle sinon. Ah non, ils n'ont pas attaqué, tiens. Surprise. Ne serait-ce que partie remise? Suspense. Alors, donc t'es mon brumeux, fais-nous plaisir. Bon, le Mordor s'en passe plein la tronche, mais manifestement les autres factions elles se font plaisir. Hein. Niveau conquête, on a vu les orques des monts brumeux qui est en train de descendre dans la vallée de l'Anduin, tout va bien. Alors, oui, les restes de Langmar rejoignent, oui. Les restes de Langmar, c'est insultant, messieurs. On a recruté des Raiders, ouais, ici. Ah, mais voilà pourquoi ils n'ont pas attaqué, ils sont. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais si, vas-y, ils se sont rétractés pour affronter l'obscure armée qui venait les attaquer. Tant mieux. Et là, ça nous laissera le temps de respirer. Hein. Grosso modo, on pourra respirer. On n'attaque pas, hein, certainement pas. Hein. On restaure nos armées. C'est le moment rêvé pour restaurer nos armées. Les nains, du coup, maintenant, ils n'en ont rien à faire de nous. Donc, du coup, on va pouvoir les ignorer joyeusement. On leur on laisse Fornost à nos les adversaires. Allez, va là-bas. On va essayer de faire respirer tout ça. Restaurer nos armées. Une fois qu'elles seront restaurées, on descendra du côté d'Atiline avec nos soldats. Tandis qu'on fera remonter les soldats qui étaient un peu abîmés. Voilà. On a de l'or. Bien, on commence à avoir pas mal d'or. Il faut dépenser cet or avec intelligence. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Bonne question. Du coup, on va vraiment devoir un petit peu. Des routes, 4800. Ouais, non. Ça, combien? Plus 150. Oui, c'est l'équivalent d'un régiment. Et ça coûte combien? 4500. Oui, non, on va se calmer. Par là. Tout ça me semble un petit peu excessif, mon cher monsieur. Bon, de toute façon, il n'y a rien qu'on puisse construire maintenant, donc il n'y a pas à tergiverser. Chez Doun, 6000 pour 250. C'est vraiment pas rentable, votre truc. Hein. Faut arrêter les conneries, là. Eh ouais, c'est des mines moisies. On nous propose de construire des mines moisies. C'est merveilleux. Anxoul, il n'y a pas d'autres mines qu'on puisse construire ici, non?
Il faudrait atteindre combien? 1200, 1200 âmes pour espérer. Ouais, on n'aura jamais une telle population. Ici, combien? 57, on peut encore moins. Dans le Varaglo, 168, bah, c'est pas non plus possible. Eh ben, c'est pas de mal la veille qu'on aura un village. Bonsoir, Jinzu, comment tu vas? Et ici, joyeuse cité. Bah, déjà pratiquement au taquet. 18 000 âmes, non, mais c'est pas la peine d'espérer. Bon, eh ben, notre économie, ça va être compliqué de l'améliorer. Hein. Tranquille et toi? Bah, ça va nickel, merci, Jinzu. Alors. Oh, bah, les elfes sont en train d'attaquer. Nos alliés ici, c'est super, on va être sur tous les fronts, fantastique, merveilleux. J'en ai toujours rêvé, hein, donc ma foi. Oh, on peut recruter des pimpins là-bas. Et là-bas aussi? Non. Ah, vous m'inspirez, monsieur. Inspirez, respirez, inspirez. Alors, montre-moi voir par là. On va comparer. À un endroit où on peut même comparer avec un peu plus d'aisance. Hop, par ici. Alors, Raider Skimisher, Raider Warband. Toi! Dis donc, hop là. 6 d'attaque, 4 de charge, 6 de défense. Toi. 5 d'attaque, 9 de défense. Ah, il est moins bon en attaque, mais il est meilleur en défense. Ouais. Et toi, 4 et 7. Au final, le meilleur équilibre qu'on puisse avoir. Je trouve que le Raider Warband a un excellent équilibre. Hein. En équipe de 120. Et là, 190. Bon, bah, il n'y a pas photo. On va faire une armée de Raider Warband. Qui m'ont l'air pas mal du tout. Juste un peu faible en défense par rapport aux unités lourdes qu'on utilise. Mais on pourra sur le long terme en avoir un petit peu plus. Hein. Ça serait intéressant pour nous. Alors, où est-ce qu'on peut les recruter? Par là. Allez, hop. On en recrute un. Et c'est tout. On est mignon. Allez, continue ton petit chemin, toi. Tu vas les tâches. Qu'on puisse lever pas mal d'impôts. Ça serait mignon. Allez, tour prochain, on pourra gentiment aller à Karndoom. On peut recruter des pimpins ici. Oh, merveilleux. C'est tellement... Eh, dis donc, c'est des pimpins qu'on recrute en tant que mercenaires, mais ils nous coûteront combien? Pareil que les autres. Oh, bah, excellent. Du coup, on peut les recruter cash, quoi. Allez, hop. On peut les recruter. Ils nous coûteront pas spécialement cher par rapport aux autres. Hein. Ils nous coûteront même coût que n'importe lesquels des unités du même type. Donc, ma foi, on a de quoi être très content. Vous révoltez pas derrière, hein, on serait mignon. Elle fait une petite boulette. Bon, tous ceux qui peuvent bouger, vous bougez avec moi. Hein. Voilà. On sauvegarde. Voilà, voilà. Niveau diplomatie, on a bougé. On a fait ce qu'il y avait à faire. Non, ah, c'est parti. On va jouer la diplomatie. Toujours en territoire que l'on connaît déjà. Par ici, il y a la recherche de Spock, la recherche de ces magnifiques cités. Hop, on va suivre la route, on va finir par tomber dessus. Et ben voilà. Les hommes de ruines, bonjour, une alliance. Ça vous intéresse pas trop, on est un petit peu loin. Hop, ceci, ça vous tente? Parfait. D'accord, pas de soucis. Et voilà, on a rempli la mission, on était récompensé par 2 unités des Hillmen. Ah non, c'est nul, ça a arrêté. On a été récompensé par 2 unités caca, on va le supprimer tout de suite. C'est hors de question. À notre capitale. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de ça, quoi? 2 de 6, mais c'est nul! Arrêtez! Vous n'avez pas pu me recruter des trucs sympas? Bande d'obscurnés de bœufs. Bon, ils économisent le frais de recrutement, enfin quand même. Donnez-moi quelque chose qui en vaille la peine, une pipe. On va pas chercher à remonter plus loin, ça sera l'autre diplomate qui va s'en occuper. On va surtout nous chercher à descendre. Parmi les diverses factions qui sont par là, on est plus ou moins près d'une faction qui se trouve par ici. Il nous faudra pas mal de temps hein, pour y arriver. Ça va être un long périple. Mais allons-y. Aucune armée qui s'approche de Ruskavene? D'accord. Tant mieux, hein, tant que personne n'y va, ça reste encore à nous. On va sauvegarder et on va passer au tour suivant. Tour 43. On va prier très fort. Qu'est-ce qu'ils vont encore faire? Ah, rien! Ah ben je vois que ça les a bien occupés, hein, là, une énorme armée venue de Myrkwood pour les taper. L'ombre de Mordor, Myrkwood justement. Ils sont venus attaquer Brie. La première faction à prendre cette cité sera un bon allié dans la région, ça arrive à s'y répandre. Moi, je la prendrai pas. Minas Morgul est encore assiégé.
Alors le. Ça change pas les classements de manière générale. On parle de désertion. Ah bon ça? Je m'en doutais. Hop là. Voilà. Et du coup, il n'y a pas être très content notre général. Mais ça va s'en corriger maintenant qu'on a. L'Ithilien a été reconquise. Mince. Ah, le Mordor est en faiblesse. Hein. Il s'ennuie le Mordor. Rien entraîné. Hop, on entraîne tout ce beau petit monde, hein, s'ils veulent bien. S'ils veulent voulent. Quoi, c'est pas possible, ils sont pas assez nombreux. Recrutement. Ah oui, bah oui. Bon, on va déjà réparer ces joyeux drills, hein, ils seront contents. Et vous, foncez par là. Il faut restaurer notre garnison à Attiline. Ce serait mignon. Oh, quelle belle collection. Collection Ferrero Rocher. Il y a oui, deux archers, c'est parfait. Alors, toi tu arrives, regardez-moi ça, 1421 à pour moi passer à 1612. C'est fantastique. On va se faire plus de sous. C'est l'objectif, hein, c'est reconstruire une économie pendant le temps de souffle qu'on a réussi à acquérir grâce à cette pseudo-croisade à la noix qu'on a poussée. Bon, cette armée n'est pas top top, hein. Il faudrait une armée un petit peu plus efficace par là. Nous on a beaucoup d'archers ici. En voilà un truc. On ne peut point les réentraîner. Ah, que voulez-vous ? Bien. Ah, les elfes qui ont réussi à prendre Kamet Brin. Ça me pose problème. Diplomatie, on continue, hein. Hop là. Allez, Akand, on arrivera dans quelques tours. Et du côté par là, on va à la Lothlorien pour te faire un traité commercial, hein, avec tout le monde. On est comme ça. On va sauvegarder. On va prier. On va pleurnicher. On va demander plein de trucs. On peut peut-être recruter quelque chose. Mais les bâtiments économiques nous coûtent tellement cher. Si on recrute un truc, on est appauvri. C'est juste scandaleux. Et on n'a plus les moyens ici de recruter encore un machin. Ça non plus. Par là peut-être. Non, mais on n'a carrément pas l'option. Très bien. Bon, bah, ils sont en train de faire des choses déjà. Par là non plus. Bon. Ah ben passons au tour suivant. Tour 44. Et Dunedain, les hommes de briques sont bien occupés grâce à l'armée qu'on leur a fait envoyer au cours de la croisade. Mais cette croisade sera bientôt finie, on va bientôt se ramasser de nouveau des forces contre nous, donc on a intérêt à promptement rétablir une armée. Et ça serait bien que les orques des monts brumeux s'activent du côté est, en Eriador. Ça serait gentil, parce qu'on souffre. Brie est assiégée, excellent. Brie est enfin assiégée. Ah, si elle tombe, ça mettra fin à la croisade, ça peut être un problème. Encore des désertions, bon de voir. Ah oui, non, c'est rien. Rapport de recrutement, on a réentraîné des unités, c'est parfait. Bon, les catapultes, on laisse la baliste. Hein. Réentraîner. Recruter. Alors ça, par contre, ça coûte cher à entretenir. Hein. Ah non, pas spécialement. Et ils sont puissants. Allez hop, on en recrute. On en recrute un, ça met 3 tours, c'est pas grave, on n'est pas pressé. Et dis-moi ça, par là, on a quoi ceci, c'est intéressant. Ouais, il me faut plus d'armées. Hein. Rare Skimisher, ça serait sympa. Voilà, hop, on recrute en masse. Ça serait une armée d'attaque. On est en train de se constituer une armée d'attaque pendant que nos armées de défense sont en train de se constituer gentiment. Chacune dans leur petit coin. Tendrement au chocolat. Pourquoi je dis ça, je ne sais pas. La bêtise, sûrement. Bien. Bon, on a constitué des micro-garnisons de défense, hein. C'est pas fameux. Tiens, va là-bas plutôt. C'est là-bas où ils sont en faiblesse. Bien, 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 l'Itache. Ah ben, cette garnison, on va pouvoir la placer par là, ça sera peut-être plus intéressant. Allez, fonce, fuis, va, vole. Et dans 2 tours, on aura des revenus supplémentaires. Parfait. Ouh, c'est tendu tout ça. Diplomatie. La Lothlorien a été atteinte.
Alors bonjour Lord Celeborn, on vous propose des traités commerciaux, ça vous tente? Vous acceptez? Bah, si, merci, c'est fantastique. Et ça, ça vous tente? Ah, il accepte! Formidable! Et ben voilà, on a atteint Fangorn, du coup, on a atteint... Alors, notre map est un peu mieux renseignée. Hop, on va zoomer, voilà, vous la voyez un peu mieux la map, comme ça. Voilà, notre map est renseignée. Vous voyez pourquoi je ne l'ai pas mis comme ça avant? Oh, canet de bœuf. Ah ben, on va aller directement vers Fangorn, voir si on peut se faire copain-copain aussi avec les Ents. Ah, tant qu'on y est! Ah, ma foi. Chasm Doom. Ami ou ennemi, je ne sais plus. Diplomatie. Ennemi. Ah bah on est ennemi avec pratiquement tout le monde, donc ma foi je pense que Chasm Doom ne fait pas exception. Nader Ebor, Nader Elwin, ah si. Bah c'est fantastique mon chéri. Bon, formidable. Du côté de... Alors, du côté de l'armée, du diplomate qui est censé se rendre à Caen, négocier un traité commercial. Dans trois tours il y est. En commerce du coup, bah on gagne pas plus que ça. Voyons, franchement, ça vaut pas le coup tout ça. On va sauvegarder. Et on va passer au tour suivant en espérant que la croisade ne se prenne pas fin déjà, parce que on aimerait bien que pas mal d'autres légions débarquent pour taper des vilains pimpin. Et tour 45. On est vraiment en retard hein, au niveau de la constitution de nos armées, mais c'est normal. On a beaucoup de difficultés à avoir une économie solide, et les seuls bâtiments intéressants nous coûtent une blinde, et encore ils sont pas spécialement intéressants, mais ils nous coûtent une blinde quand même. Ah, pour l'instant, on est en mode retraite. Hein. On perd du territoire. Nous sommes en hiver. Nouvelle mission, conseil des nobles. Il y a des étrangers à nos portes. On veut en savoir plus. Vallée de Dorwignon. Par là? Il faut qu'on fasse un congé par là? Oh. Bon, bah, on y va. Sa mission sera récompensée par quoi? 500 pièces d'or. On y va. Tout de suite. Tout de suite, on y va. Avec grand plaisir. Désertion? Mais non, il n'y a pas de désertion. Vous avez rêvé, monseigneur. Comment ça, on vous prend pas pour un idiot? Oh. Que voulez-vous dire par là? Alors, on recule des pimpins, c'est merveilleux. Tintintintin. On a des gardiens. Oh, on pourra rajouter ça. Voilà, comme ça sera équilibré. On aura une bonne grosse armée. Prête à les saluer. Salut. Le bout de tournage. Salut Super Sam. Ah, j'ai pas compris ce que tu veux dire, le boot. Qu'est-ce que c'est qu'un boot? Hop. Alors, où est-ce qu'on va là-bas? Toi, tu vas à Tilly, ce sera mignon. T'es arrivé presque là-bas, allez, fonce là-bas aussi. Il faut une grosse garnison pour les effrayer. On a des archers partout. Ouais, intéressant d'avoir des archers partout. Hein. Il y a un archer, quelques archers, beaucoup d'archers. Ah, d'accord, Super Sam. Allez, on reprend. Athéline, tout ça. Où est le diplomate? Où es-tu, petit diplomate? J'ai vu tout ce qu'il va faire, hein. Vérifie. Non, oui, 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 non, non, oui. Oui, peut-être. Ah, bah non. Gouja, Gounafier. Fonce, là-bas. On est toujours... C'est bon, du coup, on va sauvegarder, hein. On va être mignon. J'espère que Brilland va pas être pris tout de suite. Résistez. Résistez. Résistance! On va essayer de faire des petites économies, on sera mignon. Comment ça, ils abandonnent Kermé? Ça m'arrange pas! Oh là là là. Tour suivant. Mais tapez-moi ces elfes! Tapez-moi Imladris! Je peux pas vous le taper pour vous. Hein. Allez hop, on y va. Alors dans la Vanilla, congé médiéval de Total War, vous pouvez recruter des armées qui sont vraiment pas chères, hein, 10 pièces d'or, 10 florins dans la monnaie du jeu. Et tout au long de votre chemin, vers le menu du général, recrutement de mercenaires, vous pouvez en recruter plein. Et puis, bah, par contre, quand la croisade est finie, bah, c'est fini. Ils disparaissent tous. L'Italien est attaqué. Qu'est-ce qui se passe? Désertion, on s'oriente. Construction complète, réseau minier, excellent, ça y est. On a enfin un gros réseau mini. Ah, ça va nous faire du bien. Oh, on va respirer. On va respirer. Alors, qu'est-ce qui nous fait des sous? Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme bâtiment qui nous propose des sous? Hunting Lodge. Non, ça coûte cher votre truc. Pour plus de production de nourriture, ça ferait croître la population ici. Ça m'intéresse pas spécialement.
Ça m'intéresse pas spécialement, mon cher monsieur. Ballista Maker. Warg Breeder. Slave Quarter. Réseau minier, ça m'intéresse. Mais bon, là, les réseaux miniers ne proposent pas grand-chose en gain, donc c'est pas fameux. Hein, c'est pas top tout ça. Plus 30, ouais, on est plus. Oh, c'est pathétique, hein, tout ça. Là, on voit. Ah, bah tiens, un petit. Oh, bah voilà, chez Dune City. Une... Bah voilà, un marché. Bah voilà, 2600. Bisous. Et là, ça serait. 250, c'est pas énorme. Un donjon. C'est pathétique. Allez, hop. Un marché. Bah, formidable. On va pouvoir se construire un marché. Merveilleux. Ça va augmenter nos. Ah, c'est fantastique. Nos revenus. On a recruté des pimpins des bois. Donc l'intérêt d'avoir un maximum de revenus pour se faire une armée qui soit au maximum aussi également, hein, tant qu'à faire. Bon, on a plus de sous là, on va terminer de recruter cet obscur pimpin des bois et après on s'en va. Avec le peu d'armée qu'on a. C'est pas non plus folichon. Allez, fonce ici. Les armées qui sont présentes ici, elles y resteront, c'est uniquement des armées qui serviront à tenir la position. Allez, fonce aussi toi. Là, tout le monde est présent, c'est bien. Bon. Bah écoutez. Parce que tout se passe bien par là. Diplomate. Il est où? Il est déjà là-bas. Oui, c'est vrai qu'il est là. Alors c'est marrant parce que les arbres que vous voyez ici... ah, j'ai perdu le nom. Mais les arbres que vous voyez à l'Hôtelorien qui sont beaux, qui sont jaunes, c'est pas Galadriel hein, qui les a fait pousser d'elle-même. Hein. Galadriel a réussi à faire en sorte que ces arbres qui n'arrivent pas à pousser en terre des milieux, à prendre racine en terre des milieux, y parviennent quand même grâce à ses pouvoirs, à ses charmes. Mais ces arbres-là viennent de Numénor. Ils ont été plantés à Numénor, oui, une partie dans Numénor où ils se sont développés, où ils proliféraient comme du chien dent. Mais ces arbres sont même pas originaires de Numénor parce que ça a été un cadeau amené par les elfes, vous voyez un petit peu. Et donc ces arbres-là, les ancêtres des arbres qui sont plantés ici, là, au Thorien, que vous voyez, qui sont hauts, qui sont grands, n'ont même pas atteint l'énorme, l'immensissime taille qu'ils ont atteint à Numénor. Ils sont vraiment rabougris, alors que pourtant vous voyez qu'ils dépassent la forêt d'une grande taille. Mais en beauté et en grandeur, ils ne dépassent pas ceux qui vivent à Numénor, hein, là où ces arbres-là ont vraiment réussi à prendre racine et à s'y plaire. Les Malornes, voilà, j'ai retrouvé le nom. Coucou Volguk, comment tu vas? Ah oui, oh, pas de soucis Volguk. Ah oui, bah oui, c'est un peu compliqué là, pour là, la qualité ne veut pas. Hein. Et donc c'est un cadeau qui a été fait par le roi de Numénor à Galadriel qui a pu les planter là-bas et par ses charmes elle a réussi à les forcer à prendre racine en terre du milieu. C'est beau hein tout ça. Allez hop, on va faire des traités commerciaux avec le... comment ça s'appelle ces petits... Oh de l'or. Avec les Ents. Oui c'est bizarre. Mais on veut quand même. Traités commerciaux. On avance là-bas aussi. On a une mission, dire bonjour aux... C'est obscur pimpin, on avait 5 tours, donc il ne reste plus que 4 tours, j'imagine. Correct. On y arrivera dans 2 tours, sauf exception. Allez, on remonte chez nous, on sauvegarde. On arrive à survivre, hein. On survit. Je sais pas comment, mais on survit. Pas d'armée en approche. Pas jusqu'à preuve du contraire. Les nains ont foutu la paix maintenant que la frontière est gardée. Bon, le tour prochain, on a un pimpin en plus. On se barrera avec une bonne partie de la garnison, mais bon, ce sera pas une armée complète. Hein. On n'a pas les moyens. Pas tout à fait les moyens. Il faut construire une économie, vous voyez. Et ben, double boum, tour numéro 47. Et l'ensemble des 26 autres factions vont joyeusement défiler l'une derrière l'autre. Depuis que la croisade est menée et qu'elle a débarqué en Eriador, on voit, on n'a plus de problème. Hein. Mais cette croisade va bientôt prendre fin. Et ça va être un problème. Et on voit aussi les elfes d'Imladris qui prennent du poil de la bête. Et ça va être là encore un problème. Si j'avais lu que vous avez pas mal d'armées, j'aurais vite fait reprendre cette terre que les Imladris a prise et la donner aux orques des monts brumeux, malheureusement. Oh, Mithlon resplendit! Ah, ça, c'est pas cool. Mithlon a repris de sa superbe. Mithlon, donc, le port des elfes. Un port elfe à l'extrémité d'Eriador. Extrémité ouest. Guerre déclarée les Avogrid, Lindon et les clans des Nedwes. Bien, super, ils sont en guerre dans le sud. On a recruté des unités superbes. Donc ça, on s'en fout. Désertion, on s'en fout aussi. Youhou. Fin du tour, ça change pas spécialement. On est loin d'être dans le classement. Bah, qu'est-ce qui se passe là-bas? Oh, on a un général. Bonjour, général. Bah, c'est quoi ce cirque? Eh, sont où mes armées, là?
Oh non, les armées. Ah d'accord. Ah d'accord, elles ont fait défection. Complètement, mais complètement défection. Eh bien super, il va falloir qu'on les recrute de nouveau. J'ai les boules. J'ai super les boules. Ah, j'ai super, super les boules. Ça, c'est pas cool. On va voir si on peut pas. Non, ben non, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ils ont fait désertion, désertion, ils ont fait désertion. Ah ben, ça va nous ralentir. Oh là là, ça va être une catastrophe. C'est un bon... Oh, c'est un excellent... Ah non, c'est nous, ça. Tu m'étonnes que c'est un excellent général. Oh, c'est bien, plutôt bon général. Il y a pas mal de respect. Bon, écoute, tu vas partir là-bas. Hein, puisque tu m'aimes. Va reprendre cette cité là-bas. Oh, je suis vraiment déçu. Et voilà, ça va nous retarder. On pouvait pas se le permettre d'être en retard. Ah ben là, on va quand même l'être. C'est une catastrophe. C'est une grosse catastrophe. Eh ben, patatras. Et notre marge financière est relativement réduite. Oh là là, ils ont... C'est saloperie, quoi. C'est pas de bol, hein. Je vais mettre une tour ici, parce que ça me perturbe d'avoir des trous, là. Allez hop, 25 pièces d'or, bisous. Et va là-bas. 25 pièces d'or aussi, bisous. Voilà, on va se mettre des petites tours par là, qu'on puisse voir un petit peu où est-ce qu'on marche. Hein. C'est scandaleux tout ça. Bon, on n'a pas le choix, bah tant pis. Notre armée va... Oh non, regardez-moi ça, qui ça qui arrive. Une armée du nodin. Non, bah de toute façon, hop, on va reload. On n'a pas le choix. Ils allaient avec une grosse armée apparemment, je sais pas... Ils sont pas choqués de voir des armées de Dol Guldur chez eux. Cette partie est très mal engagée. On arrive à survivre pour l'instant, mais c'est compliqué. Parce qu'à chaque fois, ils ramènent une grosse armée. On est très loin à reproduire des soldats, tandis que bah, ils ont une économie florissante, hein, y a pas de souci. Alors, monte ma voix, on prend tout ce qui traîne. On va, hop, quitter la croisade. Ils veulent pas quitter la croisade? Dis donc, on vous a demandé de quitter la croisade, c'est possible ou... Oh, une fois qu'on a donné l'immunité pour faire une croisade, ça, je crois que c'est un peu définitif. Bon. On va prier très fort. Ah, c'est merveilleux. Hein. On n'arrête pas le progrès. Bon, ah ben, c'est triste tout ça. Et tour suivant, ça donne quoi là? Voilà, leurs armées qui approchent. On n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Hein. Ça va être très compliqué. Il va falloir défendre un village. Défendre un village, c'est vraiment pas de la tarte. Hein. Eh ben, il ne reste pas grand chose comme choix. Si ce n'est celui de, bah, de lancer toutes nos forces. De toute façon, je crois qu'on est un petit peu foutu. Donc si on veut faire quelque chose, compte du nodin, il va falloir lancer toutes nos forces dans la bataille. On n'a pas spécialement le choix, j'en ai bien peur. Ah, ils attaquent. Ah, ça va être tendu. Alors, bonne voir, les armées de camp, tout ça, tout ça. On est seul au monde ici, hein. C'est un peu triste. Voilà, désertion, désertion. Voilà, super, désertion, allez vas-y, ça nous a carrément pulvérisé. Ça nous a pulvérisé les unités, hein, l'une derrière l'autre, c'est fantastique. Bon, on n'a pas les sous pour se payer ça, on va jamais mettre en file d'attente. Bien, 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 bien. J'ai une proposition. Va à Téline. Ça va être compliqué. Hein. Et puis ils y vont avec une bonne armée. Hein. Ah, ils y vont gaiement, les enfants. Là. Allez, fonce là-bas. Ça va être fort joyeux. C'est mieux encore que Fort Boyard. Dis donc, l'armée qu'on a recrutée, elle est où? Elle a passé où? C'est pas que je suis exigeant, mais enfin, ils auraient pu me la donner quand même. Je l'avais recrutée, je l'ai payée et tout. Elle a disparu, elle s'est évaporée. Elle a fait pchit.
Ouais, me recruter, mais je le vois pas spécialement. Hein. Et à un moment donné, il va falloir réaliser. Il va falloir me. Il va falloir... Non, je comprends pas. Je comprends pas. Pourtant, je suis pas réputé de débile, mais alors là, non, c'est. Enfin bon. Adieu. Adieu, armée, c'est un plaisir de t'avoir connu. Ce fut bref, mais ce fut intéressant. Alors, cher diplomate. On va négocier avec les arbres. Par contre, je sais plus où est-ce qu'ils sont. Ah ben c'est là. Hop, on va négocier avec les arbres. Par ici, pendant ce temps-là. Nous tournions la manivelle. Ah ben parfait, on négocie avec ce pimpin. Coucou. Santé commerciale, ça te tente? Super. Information map, ça te tente? Non. Mais c'est gentil, au revoir. Et voilà, on a du coup gagné 500 pièces d'or, on est content. Bon, été récompensé par ça, je pense qu'on peut se permettre de remonter encore un peu plus loin. Je suis sûr qu'il y a des... Ah, je ne les vois pas, mais je suis pas certain. Je suis sûr, mais je suis pas certain. Oui. Très cohérent. Oh, on va remonter, voir si on peut pas aller négocier avec les pimpins qui sont par là. C'est quoi ça? Ah, il y a l'anneau qui a été retrouvé chez Tendruil. Tout à fait. Tout va bien. Tendruil à l'anneau. Eh ben, c'est pas très rassurant tout ça. Orc. Oui, on sait que t'es un orc. Hein, on est conscient. Youhou. Bon, les nains, attaquez les dundins. Je sais pas, faites quelque chose. Non, vous voulez pas, vous êtes sûr? C'est votre dernière bafouille? Oh. Ceci n'est pas juste. Ouais. Oh, pourquoi je les ai intégrés quoi? Pourquoi je les ai intégrés? Quelle bêtise. Alors Josiane. On va recruter. Oui bah non, si je recrute ça, on va encore me dire ah ben non, on vous l'a pas recruté. Et je vais encore pleurer. Ça va être triste. Ça va être plein d'émotions. Oh là là, quelle catastrophe. Sauvegarder. Sauvegarde 2. On va écraser celle-ci. Le reste est fait, ok. Bon ben, tour suivant, tour 48. Oh là là là, quelle catastrophe. Eh ben, regarde-moi ça. Ça y est, il est parti attaquer Godredin. Godredin. C'est-à-dire que la seule magnifique garnison qu'on a réussi à faire, il va la pulvériser. C'est pénible, hein. C'est injouable, Langmar, dans ce sub-mode. Ils ont déséquilibré le mode. Langmar, c'est injouable. Impossible de faire une économie. Et les armées sont beaucoup trop puissantes. Bah, forcément, avec ça, vous n'allez pas faire grand-chose. On n'a aucune chance. Et ils ont pratiquement que des archers. Mais c'est merveilleux. Si on se fait défaire ici, leur prochaine attaque sera direction Cardoum. Ils assiégeront la tour... La tour de glace et on va se faire pulvériser. J'appelle ça la tour de glace. Mais... Et on sera pulvérisé. Ce sera merveilleux.